Bonsoir à tous. C'est par ici que ça va se passer, donc vous allez devoir vous rapprocher par ici. Notamment les collégiens, parce qu'ils sont complètement perdus, et on va leur rappeler comment ça marche au lycée Jean-Bart. C'est par ici que ça se passe, les collégiens. Merci. Rapprochez-vous, asseyez-vous, on vous explique. Il y a plein de places, donc vous pouvez mettre aussi là-bas. Alors, les petites têtes qui dépassent là-bas, c'est interdit d'aller à l'étage. Donc déjà, on commence comme ça, personne à l'étage. Interdiction d'être à l'étage. Bienvenue au lycée Jean-Bart. On reste les pieds sur terre. Alors, bonsoir à tous, bienvenue donc au lycée. On est ravis de vous accueillir là. Mais étant donné que tout le monde part dans les couloirs et visite, explore le lycée, on va remettre un peu d'ordre avant que ça parte dans tous les sens. Donc les collégiens, mettez-vous sur ON. Je parle en français, donc tout le monde est susceptible de comprendre et de l'entendre. Le lycée et la soirée qui se déroule ici ne se fera que dans le hall. Les toilettes sont juste à côté de la machine à café, donc c'est très facile à trouver, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Il n'y a pas besoin non plus d'aller à l'extérieur a priori, et encore moins dans les étages. Donc, nous avons des caméras, et on ne voudrait pas, à la fin, demain, regarder les caméras et dire « Ah, mais regarde, qu'est-ce qu'il faisait là-bas à l'étage ?» Donc pour que ça soit plus simple, on a créé une grande piste de danse où vous pouvez tous vous éclater sans problème. On a même un petit coin restauration. À la fin des discours, vous pourrez aller vous restaurer en toute intelligence, sans jeter quoi que ce soit par terre. Vous avez normalement des éco-cups. Et vous avez ramené gentiment, merci aux parents, vous avez ramené de quoi festoyer. La soirée finira vers 22h30, sauf si ça tourne bien, on finira vers 3h du matin. Monsieur le proviseur va vous l'expliquer. Alors, je pense que monsieur Tondeur s'est un peu trompé. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir ce soir ici au lycée Jean-Bart. Je vous invite tous à bien suivre les consignes qui vous ont été données par le chef là-bas derrière. Je suis ravi de vous accueillir et d'avoir cette soirée dans laquelle nous allons avoir à la fois les jeunes du collège Boris Vian et puis également ceux du lycée Jean-Bart. Nous avons six ambassadrices. 5 ambassadrices et 1 ambassadeur, 6 ambassadrices d'heures, hein, en plein vrai, ils sont là, ils sont très contents d'être là. Si jamais il y en a qui débordent un peu à droite à gauche, ils viendront rechercher pour dire revenez au bon endroit. Alors vous savez tous que Erasmus est une très grande aventure, c'est une aventure extrêmement riche. On est très heureux de recevoir ce soir ici les jeunes de 4 pays différents. Et on est extrêmement heureux aussi de pouvoir partager ce moment de convivialité avec vous tous. Ça se finira peut-être pas à 3h du matin, mais ça va se finir certainement très bien et de façon très active pour tous ceux qui veulent danser. Comme l'a dit monsieur Tondeur, il y a ici une belle piste de danse, donc c'est très bien. Je remercie non seulement les jeunes qui sont là, mais aussi les professeurs qui les encadrent, les parents qui sont venus ce soir, sur qui on compte aussi beaucoup, vous savez, puisque Erasmus c'est un échange. Donc quand les jeunes s'en vont une semaine ou un mois, après vous recevez pendant une semaine ou un mois, et c'est grâce à vous tous que cette belle aventure peut se dérouler. Donc bravo à tous, merci beaucoup, passez une très bonne soirée,
Et je vais tout de suite passer la parole à une superbe ambassadrice. Je vois ses yeux, c'est elle qui va parler en premier. Hello everybody. So I'm going to talk in English at first, and after I will move to French. So I'm Manoa, I'm an ambassador, and I will talk about how did I get in Erasmus. So when I was in Troisième, my mom told me about this essay and about Erasmus, but I didn't know what where Erasmus. And at the beginning of the year, my teacher told us, welcome to Erasmus class. And I was like, where I am? And I will tell you where I am now in French for the students. Donc maintenant je vais parler en français pour que une quatrième puisse m'entendre et me comprendre. Donc si je suis ici, c'est donc, évidemment grâce à mes professeurs. Et je vais vous convaincre aussi de rejoindre Erasmus au lycée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'Erasmus, c'est une expérience à vivre. Et que si vous ne faisiez pas... Enfin, excusez-moi. Faites-le. Parce que donc, c'est une expérience, vous allez vivre plein d'aventures. On travaille beaucoup. Donc c'est, évidemment, ce n'est pas des voyages, c'est des mobilités. Donc on travaille à l'international. Dans l'Europe, donc votre anglais va beaucoup s'améliorer, vous allez avoir une meilleure estime de vous-même, parce que moi, au début d'année, j'étais un peu plus timide, j'arrivais pas vraiment à parler devant les gens, et bah, maintenant je suis là à parler devant une petite centaine de personnes, 200, je sais pas. 3000 Et donc franchement, venez, parce que c'est vraiment une expérience, et mon avis va vous expliquer un peu plus en détail. Merci. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Lily, je suis ambassadrice en seconde. Donc j'ai commencé Erasmus que cette année, donc je ne savais pas vraiment ce que c'était avant d'entrer. Pour moi c'était juste une mobilité, avant je pensais même que c'était un voyage. Sauf qu'au final, c'est pas du tout ça, la mobilité c'est vraiment qu'une goutte dans tout ce qu'on fait à l'année. Donc Erasmus, on va travailler sur différents projets tout au long de l'année. Là, cette année, c'était le développement durable et les droits de l'homme. Donc on a eu plusieurs mobilités. On a aussi pu... moi, je suis partie en Irlande sur le thème du développement durable. Donc tout au long de la semaine, on a travaillé tout autour de ce thème avec les différentes activités. On a pu aller à la plage, voir les espèces qui allaient là-bas, comment on allait pu vivre avec les changements climatiques aussi. Et je pense que Erasmus, moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'aisance à l'oral, de m'améliorer en anglais et d'avoir une meilleure confiance en moi aussi. Je pense que les quatrièmes qui sont ici, vous devez vraiment tenter votre chance en seconde, parce que c'est une expérience unique que vous pouvez vivre qu'avec Erasmus. Et je vais passer la parole aux ambassadeurs de première. So, hello everyone. I will explain the Erasmus class in première. Because we have to know that Erasmus is not just an option, it's like a class. We are all around the activities and all around solidarity, because everybody do everything together. So for my part, I traveled this year in Italy, in Casa Maggiore, and it was 1 week. It was around the project Respecto, around the Olympic values. And that's why I can link the Olympic values to the Erasmus class, because we all share together many values like we can find in the sports and more generally in our life, in our concrete life, not in the Erasmus life. Donc, je vais expliquer un peu en français pour que peut-être la visibilité soit meilleure. Donc moi je suis partie une semaine en Italie, à Casa Maggiore, et c'était autour du projet Respectol. Le projet Respectol, c'est autour des valeurs olympiques. Donc c'est toutes les valeurs qu'on a pu étudier dans le sport,
mais c'est surtout les valeurs qu'on retrouve dans la classe Erasmus, parce qu'il ne faut pas oublier que la classe Erasmus, ce n'est pas une option. C'est plus qu'une option, c'est une classe où on est tous autour des projets, on est tous autour, on est tous ensemble tout le temps. Donc tout ce qu'on fait tous ensemble, on le partage tous ensemble et surtout on le vit tous ensemble. Et c'est ça la magie Erasmus. Hello, I'm also in a première in the class Erasmus with Lizzy. And what Erasmus is, it's like Lucille said, it's not an option, it's a class. And everyone work together. We are all in the project and we help each other. We talk together and it helps us to learn about different cultures, new countries. We discover new people and we learn about them and about their countries. So it's very nice to be open-minded in the world. Then it helps us also a lot about the oral, because we can develop more skills and talk easily at the oral, it's very nice. And also the English is better because we talk a lot in English. This year I did 1 month in Poland, so my English is better before I went there. And I met a lot of students there, new people, I talked with them, I discovered a lot of things about them, and it was very nice to learn about new people and how they live, how the lifestyle is in a different country. So Erasmus is this, and also projects all of the year. We do projects like posters, we talk about different topics, to help the world to be better, and it's very nice because it's with Erasmus that we discover everything, we improve a lot of things, and it's very important to do that. Okay, so first, sorry for my English. So I'm the French ambassador of Terminal, and today I want to thank you for being here today and for your commitment during this week and the values you transmit by your work. And now I'm going to continue in French. Donc je vous souhaite à tous de continuer Erasmus le plus longtemps possible, parce que au lycée 3 années ça passe très très vite. Donc j'en ai la preuve. Et du coup c'est très émouvant aujourd'hui de vous parler pour cette toute dernière soirée Erasmus. Et donc voilà, je vous souhaite à tous de profiter, de continuer cette expérience. Okay, so I will try to be fast because I think that everyone here wants to party until 3 a.m. So I will try to be fast. So tonight is a really, really special event for you. And for me, of course, it's my last intervention after 6 years of experience. So why is it a special event for you? It's a special event for you because it's an event that will be unforgettable for your future and for your life, and that will build you. Maybe you don't think about it now and you just think that tonight you will just have fun and dance. But I'm the one who can prove you and show you that it's not only that. So as I want to be fast, I will just say 2 things for you. First thing, I want to thank you to be here because you make Erasmus live today and for the rest of the year that will come. Of course, we know that this experience will not be possible without the teacher and without the director that agree to make this. But this experience is above all not possible without you, because you are young people that make this existing. And second thing, I want to ask you something. I want to ask you to continue what you are doing now, because you are young people that are committed in causes like environment, sports that promote values like solidarity, equality. And what we are doing now, it
it's not just having fun, it's so much more. It's not just about traveling and meeting people. You are making a united Europe. Last thing, I want, please, to continue when I will, because it's my last year, as I told you, I want to continue to read in the newspaper that the Erasmus Innovative section continue to make beautiful action and unbelievable things. Please let me know that it will continue for years and centuries. Thank you everybody, please enjoy the party tonight. Bon, bah, merci beaucoup, vous êtes magnifiquement exprimés. Bravo à tous les cinq, toutes les quatre et à vous aussi. Voilà, vraiment, on peut les applaudir encore une fois parce que... Voilà. S'exprimer devant 3000 personnes, ce n'est pas si facile. Monsieur Tondeur. Juste pour les parents de Borisian, sachez que Rose a fait tout le circuit de la 5e jusqu'à la terminale avec Borisian, avec le collège. Donc vous voyez comment elle a mal tourné. Imaginez que vos enfants tombent comme ça, je ne sais pas, peut-être c'est à recommander. Moi comme j'ai commencé au collège, j'ai eu la 4e avec le Covid et la 3e aussi. Mais j'ai fait la Grèce, la Pologne, le Portugal et la Suède. Et voilà, je peux vous dire que j'ai accueilli plus de 12 correspondants chez moi. Donc voilà, c'est une expérience assez complète, ça c'est sûr. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en fait, elle est issue d'une famille de triplés et que les parents ont la bonne idée d'embarquer.